Bonjour tout le monde, nous allons commencer nos classes, c'est-à-dire avant les élèves finir à rentrer, pour trouver maximum d'élèves à rentrer. Et aujourd'hui, nous toujours le chapitre database et nous vous corrigeons des devoirs, mais nous recap qui nous t'a expliqué dernière classe. Si nous rappelle bien dernière classe, nous t'explique les élèves comment faire forms, ok, avec reports, d'accord? Creating reports, nous t'explique ça. Comment créer un rapport, nous t'fais ça pratique, ok? Et si vous pas faire une vidéo là, vous ne pas faire une vidéo avec les autres. Mais tu me montres comment créer un report. Un report nous crée dans Design View, soit dans Report Wizard. C'est moi dans Report Wizard, il est plus facile de créer un rapport. Ok? Et nous disons que report, normalement, nous faisons une query, soit un table. Correct? Nous prenons une query, soit un table, nous faisons ce report. Correct? Et je trouve la Report Wizard button, il trouve dans Create Table. Il n'est pas dans Home Table, il est dans Create Table Tab. Correct, ça nous explique et nous explique les élèves comment faire reports. Ok, nous presque arrivé à la fin de ce chapitre là. Là, nous choisissons sa table qui appelle Books là, nous choisissons ce Man Fields. Correct, et Man Fields qui n'a pas besoin de tirer. Et nous ajoutons Man Fields, nous tirons Man Fields, etc. Et si ça amène envie de sauter nos reports d'un field, nous allons sauter lui. Nous faisons Next et nous allons choisir son Outline, soit Portrait, soit Landscape. Ok, ce report là, comment vous paraît, nous avons preview nos reports ici, et là nos reports ici paraît. D'accord, nous faisons pratique, nous expliquons ça dans. Maintenant, nous montrons comment close ce report wizard là, et nous disons comment nous avons créé report depuis query aussi. Nous avons pris une query et nous avons fait un report ici, ou un query. Voilà, un report ici paraît, nous faisons. Un report, c'est un fait que nous imprimons le papier. Ok? Une réponse qui imprime le papier. Mais dernière fois, nous faisons aussi une affaire qui est intéressante. Vous pensez nous faire, nous expliquons comment créer forms. À part le report, nous allons prendre forms. Ok? Nous allons faire un coup qui nous allons prendre de forms. Voilà. Nous allons prendre creating forms. Correct? Voilà. Creating forms. Et nous allons prendre qui va créer forms de wizard, soit de design view. Correct? Simple create ban form. Et nous créons ban form. Ok. Nous servons wizard. Nous prenons une table. Nous prenons tout ce ban fields de la table là. Nous l'envoyons dans une form. Nous servons column là. Ok. Nous donnons form là un nom. Et la form là est pareil. Et dans la form, il y a quelque chose d'objet qu'on label. Comme first record, current record, next record, last record, new blank record, record navigation bar. Ça, je suppose qu'on est parce qu'il y a une question là-bas. Correct? Mon cas continue. Maintenant, nous guettons un coup, nous comprenons comment créer une forme, ça une forme, et nous sommes capables de faire une table, venir une forme, etc. Voilà. Ça, nous sommes capables d'ouvrir, nous guettons, et nous finissons faire forme, nous finissons dire report, ça déjà fait là, nous expliquer la dernière leçon. Maintenant, je vous dis, première affaire, nous allons corriger des devoirs. Mais avant de corriger des devoirs, nous allons regarder qui sont les élèves qui soumettent d'autres devoirs. Correct? Et nous allons regarder dans la classroom. Dans la classroom, nous avons envoyé un coup. Bon, Blackout, il a envoyé des devoirs. Ok, il a envoyé des devoirs, nous avons un coup. Voilà, il fait ce devoir, il fait ce one matching, il a une photo, il a envoyé, nous allons corriger là. Voilà, il fait ce devoir, pas mal. Mais Blackout capable de n'avoir pratique. Bon, pour qu'il y ait un coup. Good try. Il essaye au moins, mais il vous donne réponse aujourd'hui. Correct? Bon, qu'il donne si faire des voix, plusieurs des voix, il fait. Et il n'y a pas tiré si faire une petite affaire, là, il dit, il pourrait avouer moi. Ok, mon pensée, il n'y a pas tiré si faire report, et là, il complète ce report, il envoie moi très très bien votre fille. Bon, arrivé, si je prends le récit, il était en faire tout, ou bien je l'oubliais, vous pouvez donner assez de temps pour être capable de refaire. Mais je vais bien réessayer. Very good try, mon fils. Non, ça pour Blackout, ça. Pour Blackout, non, fini, guetté. Là, je vais faire pour Kaden. Kaden, il fait ce report avec ce form très très bien. Vous êtes un coin service Microsoft Access, ce côté pratique. Tu peux faire table, tu peux faire form, tu peux faire reports, tu peux faire query. Plusieurs choses, tu peux faire dans Microsoft Access. Et très très bien. Qui donne ça en cours de voir, mais nous avons bien les temps et tout. Blackout, il a bien participé. Moi, je trouve beaucoup, beaucoup de voir, il a envoyé. Mais c'est moi, je me suis dit, Blackout, il a envoyé moi comme ça, dans JPEG, JPEG.
Il a vraiment moi dans Word, comment charger il a envoyé, et mon code d'ouvrage il a envoyé. Il a vraiment dans Word, je vais download, je vais resservir. Par exemple, je vais trouver, ben là, je moi et je vais download, je vais servir. Ici, tu as tout bon icons, ce bon devoir. Mais tu as vraiment le JPEG, ok, je vais guetter. Mais c'est moi, je ne vais pas capable resservir. Par exemple, je vais envoyer mon élève, je pense que Shahil ou Douga qui vient de moi. Et il a vraiment un symbole. Non, même Naiko, tu as vraiment, Bima Naiko, tu as vraiment. C'est intéressant. Ok, nous avons un dé qui est fini à vous. Je download. Li. Voilà. Et Benlan fait ben, très très bien l'idée que je tiens. Et Benlan fait même l'idée. Ok, voilà. Donc, il y a un coup de si Bima Naiko, quelqu'un a vous. Ouais, là. Ça, c'est un joli travail. Je pense que Bima Naiko, ça. Hein? Ok, je finis dans l'eau, je peux guetter. Par exemple, il y a tel symbole veut dire view, tel symbole veut dire table, tel symbole veut dire table template, et tel symbole veut dire SharePoint list. Ça veut dire table design, ça veut dire form, split form, voilà split form si, il y a des split multiple items, etc. Bon, il y a ça, reports, ok. Bon, il y a beaucoup de symboles, blank reports, report query, report design, query wizard, ok, new object query, macro, etc. Bon, plusieurs petites choses en fin de moi, mon apprécié. Donc, joli travail. Et encore, bien malin, écoute ça, mais félicitations, un joli travail. Maintenant, à cause des travaux, moi, je ne connais pas si Douga ça, ou bien Ramgoulam Shahil, ça, on te dit, hein. Mais ça aussi, c'est un joli travail. Ok, bien fait, parfait, joli travail, top, top. Ok, sans le sang. Qu'est-ce qu'on a fait ça? Qu'est-ce qu'on a un travail là? Allô? Allô? Monsieur, vous pouvez pas. Qu'est-ce qu'on a C'est pas pour moi. Allez. Ah, moi, ça, mon corps. Vince, mon corps dit ça. Oui. Ok. Il aime ça. Joli travail seulement. Hein? Ok, quitte la ligne expliquer ça. Seulement, ça pas design, ça. Pas view, ça, non. Design. Je te pose, Marcel, là, check and good. Ça, table. Il y a vraiment un message, ça, mon pas. Ok. Tout ta RAM. Ok. Ok. Donc, il y a un coup de ça, refresh. Ça, table design. SharePoint, ça wizard, query wizard, query design. Un joli travail, il fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'icônes là-dedans. Joli, joli travail. Si vous avez envie d'aider, vous montrez-moi. Ok, pas mal. Ok. Pourquoi Shahil aussi, tu as vu moi, mais je ne pas gagner lui, non. Tu as probablement fini dans l'eau, dit quelque part. Mais très, très bien fait. Mais les enfants, là, ils comprennent qui m'opère au dire. Ils peuvent suivre mon classe bien. Correct. Maintenant, le continuant qui est en cours de voir. Qui se tient à voir moi, qui se tient aussi à voir moi, joli travail. Correct, voilà. Voilà, view, data sheet, macros. Mais c'est moi, si ce motif vous dit à qui se tient, s'il est capable de mettre ça dans Word, soit PDF, il y a voir moi. Là, mon carré, c'est avis. S'il met dans Word, mon carré, c'est avis. Qui se tient à voir moi, beaucoup de travail, très bien modifié. Ok. Et nous continuons à guetter. Douga, ouais, Douga, il y a voir moi. Douga, il y a voir moi. Travail, ouais, il y a voir moi. Ok, mais si je me dis dans Word, il vous plaît, bon, moi, mon carré, c'est fini. Ouais, voilà, Shahil n'a vraiment son travail. Ramgoulam, vous pensez qu'il est online. Où est-ce qu'il est online, là? Shahil online? Oui. Allez, right. Ouais. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est la même? Ouais, la même, c'est allié. Shahil Ramgoulam, la même? Ramgoulam, oui. Tu la même? Allez, right. Ok, nous continuons là, hein. Les temps passent vite, mais nous oublions que qui va nous voir, nous enfants de faire, pour nous continuer. Ramoula, mon gâteau de travail, bien, bien intéressant. Pourquoi moi, tu te zipli, tu envoyé, on gagne. Mais joli travail, top, parfait. Correct, très, très bien fait. Voilà, Ramoula, mon travail. Le élève, si tu as gagné accès, tu as gagné ce camarade qui nous fait. Ok, très, très bien fait, parfait. Allez, Raïd. Ramoula, il a vraiment encore quelque chose. Il a vraiment ce database même entier. Ça, un seul élève qui ne fait ça. Il a vraiment un database là entier, une zipline, il a vraiment
Excellent, excellent, excellent. On est bien content de manger ça parce que mon cas réservé, mon cas milieu au lit, mon cas guetté, mon cas c'est là. Ou bien mon pas de ce devoir, mon pas connaît. Ok, mon pas de trouver. Les restes, mon trouver, me faire des voix, ça garçon même faire beaucoup de voix, me faire symbole. Voilà, et ça aussi, c'est du travail. Ok, très très bien fait. On nous continue, qui donne une fin de joli travail, c'est moi. Puis Malaiko aussi, me pensez. Il fait un joli travail, ça voyé. Ok, bon, assez guette de voir, c'est-à-dire, maintenant, nous pourrons retourner avec nos bons travail. Correct? Quand vous l'avez fait un joli travail. Mais les restes, ben, les enfants qui m'ont pas trouvé de voir du tout, on peut dire les autres là. Par exemple, Vinix, m'ont pas trouvé de voir, PSA, m'ont pas trouvé non rien. Parma, m'ont pas trouvé grand-chose, m'ont pensé. Ok, qui se m'ont trouvé? Et Tridari, je ne trouve pas grand chose. Ou bien, je ne trouve rien, aucun devoir. Raza, je ne trouve pas rien. Bon, il y a des gens qui ont vraiment un petit chap. Bon, c'est encore même. Bon, c'est encore une fière. Nepchedi, je ne trouve rien. On ne pas connaît. Ok. Ce qui est devant nous, ne peut guetter. Ce qui est pas connu. Les élèves encore pas faire des voix, il y en a 19 devoirs, les élèves vont pas ne trouver plus faire des voix. Pas grave, ce qui pas ne faire, la prochaine fois, ils continuent à faire. Mais ça ne fait là pour guetter qu'ils élèves peuvent faire des voix, pas faire des voix, maintenant l'autre système, on le met en place. Ok, on va connaître si ça pour moi aussi. Allez, suivez-moi bien, je vais tout bien suivre là. Ok, maintenant, mon crée mon devoir, mon assignment, online, classroom, classe, et là, vous trouvez là, l'enfant? Je crée classwork. Et ça, chaque enfant, vous finissez connaître que ça n'a pas fait des voix, pas fait des voix. Et là, je vous rentre, il y a une quiz. Oui, oui, allez. Diamant, on va écouter ça, oui. Mais laissez-moi rentrer, non, je vais te parler. Oui, je ne vais pas faire encore faire lire. Je vous dis, je vais terminer là. Ok, avec capable, moi, je vais trop servir aussi parce qu'il est nouveau pour moi. Ok, mais c'est moi qui m'a permis de faire. Non, les bons êtres causés à moi, là, hein, si j'en peux comprendre. Je vais peut-être causer pour me connaître qui m'a fait. Il y a une nouvelle affaire qui m'a permis de faire. Écoute-moi bien. Qui m'a permis de faire? Et là, je n'ai pas fait des voix. Comment vous connaissez qui j'ai pas fait des voix, pas fait des voix? Et là, je peux faire un online assessment. Je veux dire, assesse-toi. Et je vais mettre un quiz. Et ce système-là, il peut. Tu as bien lire, c'est-à-dire? Oui. Allez, right. Et là, qui peut arriver? Là, je peux faire quiz là, comme ça. Chaque enfant peut gagner ce quiz comme ça. Tu as l'air de vous faire, là. Et il pourrait avoir un droit à répondre. Il pourrait répondre, il pourrait répondre à une question. Il y a toujours une question à l'arrière de vous faire. Et là, il peut submit. Et là, il peut submit moi. Moi, je pourrais avoir un droit. Je pourrais capable de faire tous les élèves sur des voies qui n'arrivent. Chacun son point pour cumuler. Et la fin, je pourrais connaître. Attendez, je vais montrer les autres comment arrive ça. Bon, si je peux commencer à habiter, c'est habillé. Je ne peux pas trop habiter là. Je pense que les mauvais là. Là, je vais regarder combien d'élèves il fait à sa 5 mètres là. Et vous êtes capable de regarder les élèves là online ici là. Hein? Attends. Ouais, voilà. Je trouve mon écran là. Voilà. Tous les élèves qui pour faire ça à 5 mètres là, mon fini. Hein? Et vous corrigez automatique, ce point pour mettre automatique. Et les élèves qui vous gagnent plus bon point, peut-être pour vous donner un cardio. Un iPhone, cela, doucement, doucement, de guetter, pour une compétition comme ça. Bon, sa première assignment, pas pour gagner un cardio, ça n'a pas. Là, je vais tester si il marche ou bien il pas marche. Tu comprends? Ça, mon premier assignment qui m'a laissé faire une quiz. Et comment je vais trouver? Je vais trouver tous les élèves qui sont capables de faire ça. Et pour envoyer moi, ce point pour rester. Gain inspiration. Ok, ouais, ça, ouais. Pour donner beaucoup inspiration et respiration, tout vous donne ça. Ok, bon, je comprends comment il peut aider. Je vais dire pour une quiz, une question, je vous réponds. Et computer là, pour corriger, pour donner d'autres points. Moi, ici, vous pouvez préparer une quiz, vous pouvez envoyer. Et les élèves là, qui sont là, je trouve dans mon écran, vous gagnez tous les élèves qui pour faire ça, ça maintenant là. Et d'autres points pour gagner automatique. Je trouve que là, je trouve tous les élèves là. Douga là, Naiko là, et tous les élèves qui me connaissent là. Ils ont gagné un droit de prendre part dans sa quiz là, ils ont gagné un point et nous pouvons cumuler de bonnes points là, nous pouvons aller et derrière, nous pouvons donner un prix pour ça, nous guetter. Là, nous, premier assignment, capable
façon que mon fait, vous êtes testé si il est marché ou bien il n'est pas marché. T'as l'air de voir ça à 16 semaines là. Est-ce qu'ils ont compris comment ils prêtent les enfants? Et dans les élèves, ils me disent qu'il y a une inspiration, vous pensez oui, il y a une motivation, une inspiration pour ce travail. Et surtout, moi, je peux suivre ce travail. Vous pensez qu'il y a une bonne idée. Et là, moi, j'ai tous mes élèves qui online, tous mes élèves qui ferment. Et le système là, pour corriger cet assignment automatique. Et vous rentrez, ok, là, vous rentrez, dites-vous comme ça, vous lire cet assignment. Et la prochaine fois, moi, vous pouvez lire tout, vous mettez un timer. Mais déjà, si je donne 10 minutes pour faire ça, c'est pas 15 minutes, dans 10 minutes, 15 minutes, bien fini submit. Si vous passez submit, vous faites. Et pour la main lire comme ça. Et là, pour la main question, vous êtes comment là? State the number of records, bon, tu as l'air de vous répondre, tu peux cliquer là-haut là, tu peux choisir, bon, tu peux répondre ça par bon là, hein, moi, pas connaître. Tu peux choisir, tu peux aller, et là, dernière lettre, tu peux submit. Et computer là, automatique, il peut finir, corrige des voix là pour moi. C'est-à-dire, moi, finir, il y a une réponse. Ouais, moi pour finir, il y a une réponse. Les mois de student work, voilà, moi le student work pour vous gagner tous les qui finissent répondre moi et combien de points ils ont gagné. D'accord? Bon, vous pensez que vous finir comme moi, il y a un retour là-dedans. Dis bon là? Une bonne idée, les enfants? Allô? Une bonne idée? Allez, t'as rien de vous retourner avec ça. Ouais, n'as-tu pas dit à moi une bonne idée? Et vous avez inspiration pour en prendre et vous avez droit référer li. Non, vous pouvez essayer de faire li qui vous pas return back. Une fois vous finissez de donner une réponse finie, vous en pensez bien. Et toute réponse où vous a donné. Et la prochaine fois, vous pouvez essayer une autre affaire pour lock the browser. Vous avez besoin de faire tab à une autre place, get une réponse. Et ou timer pour compter. Tout ça va une restriction là, doucement, doucement, vous pouvez en prendre comment faire li. Et une fois vous finissez de faire li, là vous bloquez. Les y aller au computer ouvrir et rentrer sur l'assignment là, vous avez le droit de faire le travail, de vous bloquer, ou vous êtes submit dans les temps délai limite, et vous pouvez arriver à faire back non. Bon, tout ça là, vous pouvez essayer d'en prendre l'île et vous venez là-dedans. Bon, t'as l'air de vous causer ça assignment là, parce que tous les enfants vous prennent l'assignment là, t'as l'air de vous causer ce point. Là maintenant, bon, vous avez compris un petit peu? Vous pouvez continuer? Allez, maintenant, nous pouvons répondre, nous pouvons corriger le devoir que nous avons gagné. Correct là? Allez, un élève, réponds-moi oui ou non, de corriger. Oui. Allez, ça dévoile pourquoi tu finis de corriger ça? Unit 1 là, numéro 1. Oui. Allez, tu finis de corriger. Un petit recap. Premier là, qu'était ça? Microsoft Access. Deuxième là, qu'était ça? Data Sheet. Ok, troisième là, qu'était ça? Query Design. Ça, qu'était ça? Design View. Correct? Et ça, qu'était ça? Wizard. Query Wizard. Correct? Ça, tu finis de corriger. Tous les enfants ont la réponse. Ça aussi, nous finis corriger. Correct, tu as un table et nous avons mis des conditions. Greater than 50, et il est hardcover. Mais c'est moi qui dis, oh, là, la deuxième ligne. Je veux dire, soit dans le livre là, il y a plus beaucoup, plus qu'il 50 pages, ou bien ce book format, c'est bizarre, hardcover. Et ce réponse, nous finis de tout ça dans le livre là, qui apparaît, des petits princes, Harry Potter, etc. etc. Correct, tout ça dans le livre là, qui apparaît. Nous finis corriger ça. Et nous faisons ce pratique tout. Maintenant, ça devoir là, est-ce que ça nous finit corriger ça? Oui, non. Allez, répondre. Pas encore. Allez, nous commençons à corriger. Nous devons faire matching, là, hein? Correct? Question 3, nous donner ça. Matching. Bon, query. Qui veut dire query? Queries a way to retrieve information. C'est-à-dire, il y a une façon pour tirer information, pour gagner information, dépiler une table. Basé sur un critère. Un critère, c'est même sa condition. Mais la query, c'est quoi, enfant? Il dit oui, de query, une affaire veut dire où il y a une façon pour tirer l'information depuis le table d'après le condition. Based on a specific condition. Par exemple, moi, j'ai tous les élèves qui sont présents aujourd'hui. Moi, je vais query, je vais poser une question. Qui va les élèves présents aujourd'hui? Moi, je vais poser une question. Tout va les élèves qui font ce devoir. Tout va les élèves qui ne font pas ce devoir. Tout va les élèves qui peuvent suivre vos classes depuis bien longtemps online. Mais les élèves, pas tu peux suivre. Correct? Mais moi, encourage pas rater cette classe. Sa classe est importante. Voilà. Moi, quand je dis tout les élèves qui passent, tout les élèves qui fail, etc. Voilà, il y a une façon maintenant pour encourager les élèves à faire motivation et pour gagner un cadeau si vous travaillez bien. Allez, ça correct? Ça répond ça correct? Query, il y a une way to retrieve information
from a database based on a condition. Allez, correct, oui ou non? Réponds. Allez, oui. Allez, nous continuons à l'autre question. Data sheet view. Data sheet view allows to see the content of the table. The data sheet view, enfants qui nous trouvent, nous allons trouver qui va des détails dans un table. À l'intérieur de la table, qui va des détails. Correct? Continuez. Il y a oui, si correct, si pas oui, dire. Oui, monsieur. Allez, continuez. Forms. Qui veut dire form? Form, it is used. Un form nous servit pour enter data, pour edit data, pour display ma data qui est là dans une table ou bien dans une query. C'est-à-dire, un form, c'est une interface pour nous capables d'avoir accès à ma data qui est là dans une table et nous capables de mettre encore data dans sa table là. Et nous capables, sans ma data, edit data sans elle, nous capables de display ma data qui est là depuis le table. Allez, continuez. Correct? Oui. Allez. Design view maintenant. Design view, là nous rendons le design view d'un table, nous capables sans table de structure, nous capables ajouter encore man fields, nous capables sans man fields là, ce data type, c'est-à-dire nous capables sans structure de table dans design view. Le table, design view, nous capables sans d'un table là, ce structure. Continuez. Oui ou non? Continuez, oui ou non? Oui. Allez, reports. Qui veut dire reports? Report, un rapport, it is used to organize and display data extracted from a table and query. C'est un rapport qui permet nous de tirer des data qui est dans une table ou bien dans une query et pour organiser d'une façon, dans un papier qui nous sera imprimé, nous sera présenté. Qui chose, ok, il vient d'un printed format, ça c'est un rapport, ok, voilà, maintenant ça, question là, on a terminé, matching, maintenant nous continuons, question numéro 4, correct, trop vite, ça, et la question que vous avez prend, matching là, correct, ouais. Allez, c'est bon, nous continuons, question numéro 4, querying means, entering data into a table, non? Query pas veut dire enter data dans un table. C'est false. Query veut dire, mon tire data dans un table, basé sur une condition, basé sur un critère, un spécifique criteria. D'accord? C'est le false. L'autre. Data in reports cannot be changed. Data in reports cannot be changed. Bon, ou pas qu'à sens data dans un rapport. Mais ou capable sans data là dans tabla ou bien dans query là. Les au sens tabla les au sens data là dans tabla ou bien query là, les là sens voilà automatique vient dans rapport là. Mais c'est moi dans rapport là ou pas capable sans data. Ou bien sans data dans table ou bien dans query. Les là parce qu'il ça rapport là formé de seulement tabla et query là. Et dire true, nous pas capable sans data direct le rapport. Nous bien à le table ou bien dans query, il y a le sens de data là là-bas. Et il est là licencié automatique dans nos rapports. Correct? Le forms are created only in wizard option. First, nous sommes capables de faire form dans wizard, oui, mais aussi nous sommes capables de faire form dans design view. Nous design view, là, nous créons une form qui fait from scratch, depuis base. Correct? Et nous faire forms depuis dans wizard, qui aide nous pour faire. Aide-nous et facilite-nous pour faire le carré de suivi. Correct, mais continuez. Queries are created either using query wizard or query design. Ça, c'est bon. Pareil comme ma forme, nous avons créé dans wizard avec le design. Query ici, nous avons créé dans wizard ou design. Même report ici, nous avons créé dans wizard ou bien dans design. Wizard li aide nous step by step, li guide nous comment pour faire li. Et design li li de nous un blank format que nous devons créer tout. Déjà wizard li plus facile pour créer. Maintenant reports, l'autre question. OK. Reports groups is located in the home tab. Non, reports group li pas dans home tab. Reports group li da create. Bon, qu'est-ce que vous gagnez ça? Si jamais je t'ai dans create,
de vous trouver là-bas qui vous a report groups, etc. Get mon pensée lila. Voilà. Une minute. Là, je viens dire sa explication. Là. Get report groups. Ok. Tout bas d'affaires qui est avec report. Report groups. Dit tout de create. Et de create, même de gagner form group, de gagner query group. Ok. Dit pas de home tab. Je pense que je ne comprends. Il a créé tab. Maintenant, nous continuons à expliquer. Si c'est ta question, je dis à moi. J'ai presque fini avec question 4. Ok. Maintenant, nous continuons. Là, là, je vous demande des bonnes élèves. Allez, nous avons que ça en là. Nous posons des questions. Nous avons si Oubaï peut suivre mon classe. Oubaï ou la même. Allez, nous unmute Oubaï. Non, sorry. Send les élèves, j'attends. Go to buy, ouais. Allez, au buy, ou la même. Right. Oh. Allez, je vous pose une des questions, nous guettons si tu fais un devoir. Ça symbole là, de forme, qui veut dire ça? Parce que. Et de la photo là, guettons tout devoir, tu gagnes comme devoir, question 5 pour faire. False record. Oui, false record, très bien. Ok, ça veut dire first record. Très bien. Et ça qui veut dire, on ne va pas besoin de poser mon mouse. Là. Et là. Ça qui veut dire. Ça. Très bien. Current record. Très bien. Maintenant, ça qui veut dire ça. Pour mon mouse là. Tu as des voix, tu as gagné, tu as fait ça. Très bien, next record. Et ça? Last record. Très bien, last record. Et ça? Dernier? New record. Très bien. Allez, tu t'en bien fait. Nous reprendis. Il y a 10 minutes et après 10 minutes, moi, vous réussissez l'ancienne session. Il y a nous reprendis ou bien même tout réponse correctement. Ça, c'est first record. Ça, c'est current record. Ça, c'est next record. Ça, c'est last record. Et ça, c'est new black record. Très, très bien. OK. Maintenant, nous prenons des bonnes questions à l'autre élève. Ça, nous pouvons demander à l'autre enfant. Nous avons une écoute qui s'en a online. Nous pouvons demander à l'autre enfant. Il y a volontaire, là. C'est la volontaire. Il y a volontaire. Je veux dire, moi, je vous assoirai, là. On pas sauvé, là. Hein? Sauvé, mon fini, quoi, là. Bon, là, nous demandons qui s'en a, qui s'en a, qui s'en a, qui s'en a son micro et là, la caracosie. Allez, nous demandons qui donne. Ok, unmute. Qui donne unmute. Ok. Oui, what is the difference between a form and a report? Parce que dans la classe, nous expliquons qui veut dire form et nous expliquons qui veut dire report. Qui différence il y a entre un form avec un report modifié? See? Forms are used to enter data into tables and display information from table or queries, whereas a report is used to organize and display data extracted from tables and queries. Très très bien modifié. En résumé, ce qui est dans une dire, un form c'est un avis pour mettre des data ou input des data dans un table. Et voilà, un form c'est un avis pour input des data, mettre des data dans un table. Par contre, un report servi pour output data, pour tirer des data depuis dans la table. Ça, c'est la main différence. Je veux dire, qu'est-ce qu'il veut bien dire? Ok, il veut dire la main différence entre form avec reports. Forms are input. Forms are used to input information into the system. Whereas reports are used to output information from the system. System, that's a table. So, forms gather information for essential one record in the database. A form nous servit pour mettre des états dans la table. Et reports nous servit pour tirer des états depuis dans la table, soit dans la query. Ok? Bon, Kedan se répond très très bien, bien fait. Maintenant, nous continuons à expliquer. Si on va trop vite, déjà, mais c'est moi mauvais record cette vidéo-là, je vais dire que pour garder accès à ma réponse. Là. Même si vous si trouvez mon trop vite dans la classe, je vais garder accès à ma devoir. Correct? À cause de ça, nous allons continuer.
Maintenant, nous prenons cette question-là, pourquoi on ne finit pas, non? Oui ou non? Fini faire. Et ça, on ne finit faire, cela, on ne finit faire, oui ou non? Fini faire. Il y a encore question pour nous faire là ou ça, il finit? Fini. Maintenant, si il finit, là, il peut venir classe, ça va être bien intéressant. On peut suivre, vous êtes là. Chaque élève, allez, là, on finit là, hein, ça s'appelle presque fini, c'est nous faire question l'examen. Comment les enfants? Allez, suivez-moi bien qui me fait là. Hein. Ok, ça me close. Là, chaque élève, pour gagner un droit, rentre de comment on appelle ça? Google Classroom. Et il peut submettre moi seulement des devoir et m'obliger combien de points il gagne. Correct? Écoute-moi bien. Oui, d'après moi, mais attendez 2 minutes là, pour vous expliquer une petite affaire, allez, vous commencer. Bon, vous montrez ça depuis que vous gagnez ça devoir là. Pour tous les enfants connaissent qui devoir il veut faire. Devoir là, vous gagnez ça depuis un papier d'examen. C'est un papier d'examen, vous pensez pas à celle-là qui m'a fait. Moi, je fais novembre 2015, 1 minute. Cancel, demain une minute. Novembre, non, novembre. On oublie qu'il en est, on prend, si on fait rire. Vous pensez ça en est là, ça, novembre 2000. Attends. 1 minute. 1 minute en zut. Vous pensez ça l'année là, mon prend. Ok, je n'ai pas un papier d'examen comme ça. D'après moi, novembre 2015, si je fais erreur, pas grave. Et nous continuons. Je prends ce papier d'examen là. Voilà. Les questions de l'auditabase. Oui, c'est même ça. Correct. Bon, vous êtes une question de l'auditabase. C'est un papier d'examen là. Voilà. Nous avons un database, mon explique question là, hein. Un database, code, et code, pour la boutique, ça, un store, la boutique là, comment appeler, ABC, qui dit code, il code détail pour seulement staff dans un tab. C'est-à-dire, la boutique, il y a un ben staff qui travaille, un ben qui travaille là-bas. Ça qui staff, il a ce surnom, ce nom. Et il y a un payroll number. Qui veut dire un payroll number? Veut dire, comment dire, un référence number. Par exemple, l'école, c'est un ID, student ID. Mais les ben, staff travaillent là-bas, de gagner la paye. Et d'après, chaque staff pour un payroll number. Moi, j'ai un ID. Moi, je suis un student ID. Veux dire, ça, staff-là, ce payroll number, c'est 120920. Ce surnom, c'est David. Et ce first name, c'est Orwin. Et ce title, c'est Miss. Et qui travaille, lui faire? Il y a un clerk. Et ce date naissance dit là, et il travaille F là avec le full time, P là avec le part time, et est-ce qu'il est libre pour faire même extra hours, extra shift, overtime, cela c'est libre pour travailler, non, il n'est pas libre pour faire overtime. Mais il y a l'autre man staff libre pour faire overtime. Maintenant, il y a tout ce man staff là, mon méthode record dans sa table. D'accord? Je vais expliquer la question là. J'espère que vous comprenez. Maintenant, ban colonne, on appelle ça ban fields, ban rule, on appelle ça records. Voilà ban question qui se pourra le faire pour moi et je vous submit moi entièrement. Et là, on vous discute ban question. Ban question, elle est comme ça, state the number of records dans la database, ça, state the number of fields et donne raison qui fait quand on ajoute un record, quand on edit un record, quand on delete un record, qui sert pour qui fait, bon, I'll enjoy. Ça, mon partage, nous autres, un petit moment, je vais dire, je suis là pour rendre des autres. Je suis là pour rendre des autres. Comment on appelle ça? Google Classroom. Et ça, les enfants, ils rentrent dans ce Google Classroom comme ça. Ils peuvent gagner, vous pensez, un assignment pour faire. Voilà, ils cliquent le assignment et ils commencent à faire lui et ils submit moi. Et vous pensez, une fois qu'ils submit moi, vous pouvez gagner une bonne réponse là, moi, ici. Dans people, non, dans classroom, et là, je vais vous parler de qui peut faire sa classroom, là, combien d'élèves peut avoir. Allez, combien de minutes vous avez besoin? Là, niveau 42, là. Combien? 10 minutes? Allez, 10 minutes de submitment? 10 à 15. Allez, je vais vous donner 10 minutes, moi. Vous pensez que c'est facile. Correct, multiple choice. 10 minutes. Allez, niveau 42, là, et 50. Bon, vous avez fini avec toutes réponses. Allez. Chacun commence à faire ce devoir. Il submit moi. Et comment il submit moi pour guetter moi. Et je n'ai pas le droit de guetter dans votre livre. Dans rien, direct online.
vous êtes fait, je n'ai pas faire back, non, hein, je n'ai pas qu'à skip question, toutes questions que vous avez faire. Allez, envoyez-moi les, races qui m'ont faire, m'ont vous checker moi, et m'ont vous donner un bon point. Et après ça, nous corriger, là, nous vous terminer. 10 heures, nous classe pour terminer. Allez, dépêchez-vous. Si tu peux gagner une difficulté, les gars, à cause de moi. Bon, on trouve juste 4 qui spécial à ça maintenant. On va connaître les risques qui fait un turn in, 10-4, dans moins 20 élèves. On va connaître les risques qui fait pour conseiller. Pas essayer. Je ne souviens pas des voix là, la personne m'a pas sauvé. Et il est intéressant, je suis quand même du tomate, de maman avec rien. Il est dans le tout. Et moi, même la tablette là-bas me dit, oui, sans souci. C'est comme quand c'est vrai, c'est en voilà. Tu peux voir la vidéo online. Il y a mieux que ça. Là, moi, tu shut down, là, vous verrez, ou bien, moi, je pense que je suis fini. Justement, ça. Motosis 4 élèves, il est capable de faire ça. Les risques qu'il peut faire. D'après mon système, il y a 4 élèves, il peut faire ça. Les risques pas gagnés, ou ça qui est le problème là. Quel peut gagner une difficulté parce qu'il y a 20 élèves en ligne, mais il y a 4 élèves qui font des bons.
environ. Les escarpes de l'épée fait des voiles. On va prendre des verres dans nos cousins. Monsieur, pour oui. Ma chanté, j'ai vu une dernière partie, c'est ma première vue qui tue une autre personne, elle n'a pas vu venir. Allez, arrête, attends. Question 4, ben, dis-moi là. Hein? Allez, dernière question. Dernière question. Question. Quand tu peux cliquer? L'ingénieur dit to advantages of using coded data in a computer database. Ouais, Nancy, j'ai jamais dit des réponses. Non, non, non. Malheureusement, mon mal pose question. Moi, je vous ai dit one advantage. Je ne pas bien l'état pour vous. Ah, ouais. Ouais, Nancy, correct. Nancy, regardez mon poste. Correct. Parce que dans la vitesse, moi, je vais parce que nos premiers multiple choice, nous allons essayer, là, nos premiers quiz. Nous allons regarder comment ça a déroulé. Et là, nous allons améliorer. Allez, un tiré, mon panier est en copy-paste, bien, mais bon. Mais pas grave. Mais c'est moi, je peux essayer, mais ils ont vraiment trouvé un peu drôle. Et dans 10-15 élèves, il y a une vingtaine d'élèves, et dans 10-15, déjà, ils ont vraiment trouvé un peu drôle. C'est 10-4 élèves qui font ça sans les mettre, là. On ne sait pas qu'on est kiffé, on va vous checker un coup, là. Un 7 in fait là. 7 élèves dans 20 élèves qui est là. Ils me disent 15. 5 ils viennent sauver. Un 9 et 5. Et le coup de nous faire attendance, nous voulons dire qu'il y a des élèves qui est là et qu'ils viennent sauver. Il est beaucoup horrible là. Il y a encore des minutes, il y a 8 élèves qui finissent d'arriver. On a submit pour gagner ce point automatique, je pense. Bon, turn in. Ah, tu sais, moi, j'ai besoin de turn in là. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, Douba peut faire. Attends, Gridari peut faire ce devoir. Oubay peut faire. Ramvlam peut faire. Asmatali peut faire. Shira peut faire. Naiko peut faire. Blackout peut faire. Ouais, Douba peut faire. Bon, moi, j'ai l'équipe pas peut faire des voix. Qui fait ça, peut faire des voix à 5. Bon, pas trop Vince, comment il appelle Vince, mon grand trouvé, est-ce qu'il est là online? V-I-N-Z-E, mon grand trouvé, s'il peut faire des voix. Ramfol, mon grand trouvé, il est présent, lui. Tu vois, Ramfol aussi présent, là, il aime là ou ça? Ouais. Ramfol online. On finit assignment, là, il finit un point. Ouais, j'ai fini un point. Oui. Allez, mon si vous retrouvez ce point, moi qui fais, on va trouver ce point. Bon, Ramfol Chirag, est-ce qu'il est là online? Il connaît la place aussi. On va trouver online. Vince, là, il peut faire des voilà? Ouais, il fait. Il peut faire. Ramfol pas online. Monsieur? Oui? Assignment là, 15 points, 11 points. Moi, je fais réaliser 11 points. 11 points? Ouais, tu connais Gédé? Première fois, on peut faire ça, je suis d'accord qu'ils m'ont essayé. Et dans vitesse, je fais des matières rire, pas grave, mais je peux Gédé s'il m'a lancé, techniquement, il m'a lancé. Et je peux checker. Ok? Mais même des tirs, je fais des prochaines assignments, je voudrais slipper bien. Parce que moi j'ai envie de faire ça, mais 15 points, je ne vais pas me récit complet. Je vais tirer 4 questions. Mais je tire 4 questions, je vais oublier total point là. Je vais total il 11 points. Je vais dire que ça m'a gagné 11. Mais je ne vais pas trouver ce point par rythme. Ça va finir ce mythe là. Mais monsieur, je vais dire non.
Ouais, turn in qui est complété? Oui, complété. Ah, mais pas main C'est bien. complétée. Ouais, pas main complétée, Kiston complétée, Vinsin complétée, Ridarin complétée, Uboy complétée, Keden complétée, Tsuran complétée, très très bien, vous pensez au turn in. Les risques, dans les équipements pour faire, nous attend un petit canon, non? Bon, c'est ce qu'il y a en ligne, faire. Turning, c'est pas un élève qui infini complété, pourquoi? Mais qui fait pour pas gagner les autres points, moi? C'est un objet qui est simple. C'est refresh table. Voilà. Turn qui est un petit. C'est un élève qui est turning là, vous pensez, vous return les autres? Pourquoi vous gagnez le droit à vous les autres, mais bonne réponse là? Pourquoi vous n'avez pas essayé de faire quelque chose, non? Bon, le corrige des voilà, t'as l'air pour analyser, pour mettre tes élèves comme un point gagné. Laisse-moi le corrige des voilà. Correct? Si moi aussi, on vous a appris comment ça, ce système-là fonctionne. Bon, nous avons un groupe dans le groupe, nous avons 19 élèves. Est-ce que tous les enfants ont essayé? Bon, Raza, t'as essayé? Oui, Raza, t'as essayé? Combien de points t'as gagné? Comment on regarde? Bon, Léon finit expiré là, hein, parce qu'il est 55. Il faut les faire sur des bois, en full online. Rampassan, l'aime là. PSN, RAM PSN. Ouais, tu es capable de coopérer avec la salle, mais comprends qui va arriver? Parce que tu es un PSN, il y a beaucoup de classes là. Et puis, Master Diamant de Panoranda en classe. Tu as trouvé comment il se trouve, tu es un PSN? Ouais, c'est rattrapé, on va prendre comment pour faire ça. Mais maintenant, un YouTube channel, est-ce qu'il est au courant? Tu m'as un devoir qu'il nous fait là-bas. Il a une YouTube oui, channel. Oui, monsieur, tu disais, ok, mon frère, c'est Ketchup dans le YouTube channel. Mais, ouais, tu connais là, YouTube channel, là seulement. Allez, raille. Ouais. Qui a le droit de rester? Qui a le droit de rester? Qui est cool d'aller? Putain, c'était collège. Allez, raille, ok. Bon, il y a une autre zélé, moi j'ai envie qu'aux orlis, là. Avant de vous donner une réponse, là. C'est. Ramfol online, là. Il y a un petit tour un garçon ramfol. Allez, pas de vini. Allez, right, m'espérez. Vous gagnez ce numéro, vous téléphonez. Envoyez un message dans WhatsApp. Tellement envoyez un message au WhatsApp pour ce parent bon. Ramfol. C'est bien. Grade 9 ramfol. Allez, nous presque arrive la fin. Hein. Grade 9, Ramfol. Qui fait ça pas moi aussi?
Après, de même, renfort. Bon, nous get grade 9, rang full. Albo Pindu. Comment y appeler les gars, non? Tu vois qu'un seul numéro d'enfant, renfort là ce numéro, tu vois. On va pas gagner là, qui fait. Allez, pas grave. Après, non, là, là. Ok. Maintenant, nous corrige des voix là et nous fait vidéo là, là, vous dit. Allez, maintenant, des voix nous corriger là. Hein. C'est tout correct là. Correction. Et là, là, moi, vous checker un coup de comment. Ah. Voilà. Ok, correction des voix, tu sais tout l'aime là? Oui. Et zoom. Voilà. Et là, on a un coup de ligne de nouvelle étape. Première question, state the number of records in the database. Allez, oubaye. State the number of records in the database. Il y a combien de records sinon? Allez, allez, causez, c'est normal, volontaire. Records, qui veut dire combien de roues? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. On trouve 11, ben, il est bon là. Ok. Répondre à la personne. Online. Allô. State number of records. Il est bon là? Oui, il est bon. Allez, deuxième. State the number of fields in the database. Fields veut dire combien de colonies là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 8. Mais continuez. Correct? Allez. State a reason. Quand la compagnie là nous ajoute un nouveau record? Quand? Allez, répondre. A new staff joins the company. Très bien, mon garçon. Ok? Il y a un nouveau staff rentre dans la compagnie là. Là, nous créons un record pour lui. Pareil que moi, l'école de nos enfants fait admission, nous créons un record pour lui. Allez, l'autre question. State one reason why we would edit. Bon, là, ces enfants-là, ils ont connu qui veut dire edit. Qui veut dire edit? Modifier, changement. Changement de ce détail. Allez, réponse. Staff changes his address. Très, très bien. Très, très bien. Vous êtes tous capables de participer, hein? Mais très bien. Allez, l'autre. State the reason why ABC store would delete a record. Quand vous delete un dimension de record? Non, mais il n'y a pas de travail pour moi. Ouais, il n'y a pas de travail pour moi. Il n'y a pas de passe vacances, il peut venir. Mais s'il perd le passe vacances, on va tirer sur les causes. Mais les liquides qu'on peut. Sorry, il y a un erreur. Le staff leave the company. Ok, leave the company. Quand les liquides qu'on peut, là, il y a les larmes qu'on va tirer sur les causes. Mais s'il perd le passe vacances, le pays, on va tirer sur les causes. Le testeur. State the key field. Laquelle qui file? Ce qui est plus important là? Payroll. Ouais, payroll number. Qui fait? Parce qu'il paye a des staff qui ont même payroll number. D'accord? L'autre. State the purpose of the key field. Allez, obey. What is the purpose of the key field? A key
field is used to ensure data in the specific column is unique. Très bien. Let. Maintenant, write down all the surnames which will be listed in the following search. Bon, il y en a un là, mais en même temps. Il y a un ce title, il y a Miss, et en même temps, il y a travail comme un clerk. Bon, pour les Miss, avec le travail comme un clerk. Voilà, il y a Miss avec un clerk. C'est David. Deuxième, il y a une Miss avec un clerk en même temps. Rosette. Il y a, il y a David, Rosette, c'est deux personnes là qui, normalement, ils peuvent paraître dans le search. La réponse c'est David Rosette. D'accord? En même temps, N. N veut dire en même temps. D'accord? Allez, nous continuons. Write a search condition. Donc, vous allez créer une condition pour search. To my staff, whose date of birth or before, avant. So, date de naissance est avant 1976. Veut dire date of birth est avant. Veut dire less. Dans les 1er janvier 1976. Et en même temps, N. En même temps, il peut travailler comme full time. Vous êtes true. Ok, c'est qui est un truc. Je check ça. C'est true. Il peut travailler full time. Allez, right. Maintenant, question state the data type of the field extra shift. Bon, si on a un field qui appelle extra shift là, là, ce data type, il visait logical. Soit on appelle ça boolean. Logical boolean veut dire true or false. Voilà. Logical boolean, true or false. Lut. On met boolean, j'en ai pas vu. Eh bien, mais pas de boolean là-dedans. Il y a juste texte, currency, logical avec number. Mais le mot pour boolean c'est logical. Soit on appelle ça true or false. Mais ce qui vient de temps. Mais peut-être la prochaine fois, on peut tirer ça others là. On peut courir. Ok, alors ça, je vais tirer, je vais gagner le temps, je vais faire ça dans la rapidité, et je vais faire ça aussi. Dernier, full-time, part-time, l'incodé. L'écran F pour full-time, P pour part-time. Et là, nous trouvons sur l'importance, c'est de servir les storage de file. Correct, les storage de file. Et là, nous submit. Voilà, nous view, nous score. Voilà, 11 sur 11. Et mon bon Dieu. Ok, nous place une termine là. Bon, si vous parlez trop vite, ce diamant, on fait aller vous autres. Voilà, bonne réponse. Vous êtes capable de réaliser, check un coup d'œil, check un coup. Et vous allez qui là, et suivre la classe là, de trouver, nous faire des voix, nous faire travail. Les élèves qui parlent là, on n'est pas capable de faire rien pour lui, ce destin. Il vous a fait des efforts lui aussi. Ok, Internet peut venir dans la case, des voix peuvent venir dans la case. Plus facilité qui ça, moi par contre, qui est capable de faire vous. Ok, bon, presque terminé. Bon, moi par vous, quand qui dévoile pour une prochaine classe et mon sa vidéo là, on peut mon record lui et vous mettre ça là YouTube, vous êtes capable de régler. Vous êtes capable de refaire mon devoir. Vous pensez que la ça, c'est intéressant de l'apprendre.